Togo Fabre rebaptise le boulevard du 13 janvier. Est-ce s'appuyant sur ce qu'il appelle la vérité historique, la géographie et les réalités des hameaux tivés, Jean-Pierre Fabre, maire du Golfe 4, renomme plusieurs artères dans sa commune. Le président de l'Alliance nationale pour le changement, en premier responsable de la commune du Golfe 4, modifie les noms de plusieurs routes et rues dans son ressort territorial. Les nouvelles appellations, selon la mairie, cadrent bien avec l'histoire et les réalités des hameaux tivés. Ces anciennes dénominations ne se justifient plus et ne conviennent pas à l'heure du multipartisme et de la quête affirmée et proclamée de la démocratie et de la réconciliation nationale, insiste l'opposant. En effet, au total une dizaine d'artères ont été renommées par le conseil municipal du Golfe 4. Et donc, l'avenue de la Libération s'appelle désormais l'avenue de l'Indépendance, le boulevard du 13 janvier, le boulevard Sylvanus Olympio, avenue du REPT, avenue du 27 avril, avenue Maman Anne Danida, avenue des Hameaux Tivés. Dans la même configuration, rue Bassard devient rue Jacob Adjalé, rue de Fallet, rue Apetovia Kodjovia de Souza, rue Adaboere, rue Pasteur Baïta, rue de la Cosaque, rue Odanou d'Obli, rue Koumoré, rue Namoro Karamoko, rue 97 Abk, rue Bellabello, rue Tanou, rue Jonathan Servi de Tové, rue 87 BKK, rue Zachary Louki et rue Paratoa, rue Aruna Mama. Selon Jean-Pierre Fabre, après le lancement du programme de modernisation et de réhabilitation des infrastructures de la commune, pour des centaines de millions de FECFA pour l'année 2021, il est fondamental que le conseil municipal mette diligemment en œuvre une revue de l'adressage des rues de la commune qui, s'appuyant sur la vérité historique, la géographie et les réalités de la cité, milite en faveur de la cohésion sociale nationale et prône la réconciliation des populations.